Billet, Vergnagel, Vertagen. Cosmos, au cœur des ténèbres de son infini, telle était leur demeure. Une demeure qu'ils quittèrent pour coloniser des planètes comme la Terre, alors sans vie et primitive. Car oui, nous ne sommes pas seuls, ils étaient même là bien avant nous. Il y a plusieurs milliards d'années, à la genèse de notre planète, des entités extraterrestres cauchemardesques, issues des confins de l'univers, vinrent la coloniser. La Terre fut ainsi le théâtre d'opposition cataclysmique pour sa possession, entre ces entités titanesques, à l'intelligence et la technologie incroyable. Ces êtres cosmiques pouvaient voyager entre les étoiles sans aucun véhicule et possédaient pour certains la technologie du voyage temporel ou interdimensionnel. Ce sont eux qui furent à l'origine de la vie terrestre, nulle divinité démiurge donc, juste des êtres aux connaissances inouïes. Cette vie fut créée pour les nourrir, les servir et certaines de ses formes par erreur. Puis, une des factions de ces entités usa de magie noire et fut alors bannie et emprisonnée dans les entrailles de la Terre, dans ses abysses sous-marines ou dans le vide interstellaire. Ils sont les grands anciens. D'autres entités, comme la grande race de Yit ou les choses très anciennes, s'établirent sur Terre, édifiant des cités cyclopéennes qui sont les ruines d'aujourd'hui, situées dans des zones désertiques ou englouties par les flots. Des civilisations préhumaines, donc. Puis l'évolution fit son œuvre, et l'homme se redressa. Il n'était en rien un souhait pour ces entités, mais le résultat de l'évolution elle-même. Dès lors, l'humanité, confrontée aux vestiges de ces cités extraterrestres cyclopéennes et à des apparitions de leurs bâtisseurs, se créa des mythes à son échelle pour mieux les expliquer et les comprendre. Ainsi naquirent les religions, mythologies, légendes et superstitions de notre civilisation. La croyance fit ainsi office de palliatif à nos lacunes. Mais les grands anciens cherchent à s'éveiller et à se libérer, à retrouver leur grandeur d'antan et ainsi asseoir leur domination sur l'univers. Et pour ce faire, ils manipulent l'homme, faible créature guidée par sa soif de connaissance qui ne peut que le mener à sa perte. Dans sa mythologie fictive, l'auteur Howard de Philip Lovecraft exhume et révèle les terreurs de l'infini cosmique et des profondeurs abyssales. Le lecteur de ces récits est ainsi témoin des forces cosmiques et de paradigmes cosmologiques qui sont à l'œuvre, comme s'il observait au travers d'une fenêtre donnant sur l'inconnu et son immensité. Je vous invite donc à ouvrir cette fenêtre et à vous plonger dans l'univers horrifique, ésotérique et cosmique de Howard Philip Lovecraft. We'll be right back.
Selon les récits de l'auteur de Providence, notre univers serait donc régi par des entités extraterrestres depuis les confins de l'univers ou depuis le cœur même de notre planète. Certains y seraient captifs ou endormis. D'autres œuvreraient dans les mystères ésotériques ou depuis les espaces interstellaires. Il est difficile de dresser un tableau ordonné de ces entités, notamment par l'élaboration d'un panthéon hiérarchisé. En effet, initialement, Lovecraft les inclut indépendamment dans des nouvelles qui furent reliées a posteriori, ce qui donne naissance à des incohérences ou à une certaine confusion, notamment dans les termes. Cependant, on ne peut pas parler de panthéon organisé ou hiérarchisé quand on pense à la mythologie de Lovecraft. Car ces entités, qu'elles soient divinisées ou non, ne sont pas une création humaine, comme le sont les dieux terrestres. Elles ne se comportent donc pas comme les hommes, et ne sont pas régies par les mêmes préceptes de morale, de société ou de comportement. Lovecraft rompt ainsi avec l'image d'Épinal du groupe anthropomorphique, familial ou sociétal des autres mythologies. Et ceci se rajoute au processus de rédaction qui ne fut ni homogène ni réfléchi, tout du moins pas à ses origines. Lovecraft place quelques indices avec parcimonie, qui nous aideront à avancer dans notre ébauche de panthéon cohérent. Mais le terme de panthéon n'a jamais été utilisé par Lovecraft, car ce terme désigne une classification par les hommes. Les hommes créent les dieux. Or, les entités de Lovecraft, elles, sont indépendantes des hommes. De plus, initialement, sans doute, n'avait-il pas pensé ces entités comme des divinités, et ne cherchait-il donc pas à les lier les unes aux autres ? Dagon est un bon exemple de cette évolution. Dans le premier texte éponyme, dans lequel il apparaît, il n'a rien de divin. Ce n'est qu'un monstre marin, alors qu'il est divinisé par la suite, comme dans le cauchemar d'Innsmouth. Sans doute, l'œuvre de Lovecraft suivit le même procédé en évoluant constamment et en se structurant. Car, rappelons-le, son univers est issu de nouvelles publiées les unes après les autres, et non pas un ouvrage pensé du début à la fin. Lovecraft semble ainsi improviser, et faire évoluer sa mythologie progressivement. Mais encore une fois, tout reste flou, aux limites non définies et changeantes. C'est pourquoi il est très complexe d'organiser avec certitude un panthéon conforme aux idées de Lovecraft, car lui-même, semble-t-il, ne l'avait pas défini. En perpétuelle évolution et non structurée, il laisse beaucoup de place à l'interprétation, que ce soit dans le rôle ou dans la terminologie. Notons également que la divinité de ces entités n'est apportée que par les protagonistes de ces récits. L'auteur en aucun cas ne les conceptualise ainsi. En effet, ce sont des entités extraterrestres que l'homme déifie pour mieux les expliquer et les comprendre, grâce donc à un phénomène de mythification. Les humains se réfèrent alors à de sibyllines légendes, des textes interdits et à la réminiscence d'antiques termes qui parfois s'entremêlent. C'est pourquoi la dénomination de ces groupes d'entités peut changer selon le récit, tout comme leur nature, rendant alors très complexe la compréhension de leurs appartenances. Sans doute est-ce aussi un effet de l'auteur, cherchant à nous perdre, afin que l'on ressente ce sentiment d'incompréhension face à l'incompréhensible, vécu par ces personnages. Ce même détachement de la condition humaine se retrouve dans les noms de ces entités, imprononçables par les humains, entre des sons gutturaux et des gargarismes. Ce même manque de référence se constate dans l'apparence des créatures de Lovecraft. Protéiformes, titanesques, aux multiples appendices, myriades de dieux et de tentacules, parfois hybrides entre animal et végétal, et parfois défiant toute forme de physique ou de biologie élémentaire. Rien ne peut donc les rapprocher de ce que nous connaissons. Quoi qu'il en soit, nous pouvons dégager une histoire de ces créatures, et ainsi en dessiner une cosmogonie. La cosmogonie lovecraftienne n'est que partiellement définie, mais semble tout de même posséder de nombreux points communs avec celles antiques, notamment avec la grecque et la mésopotamienne, particulièrement en ce qui concerne le néant primordial. Chez Lovecraft, il est personnifié par des entités primordiales que sont la ténèbre ou la brume sans nom, ainsi que par les vides intersidéraux et l'obscurité des entrailles de la Terre et des profondeurs océaniques. Tout ceci fait donc écho aux néants primordiaux des religions antiques humaines. En effet, la majorité des cosmogonies débutent par ce néant. L'Apsu mésopotamien, le Nun égyptien, le Ginnungagap nordique, le Tartare grec
C'est la nuit précédant la lumière divine, que l'on retrouve également dans la Bible. Mais la Bible vise à tout cloisonner. Dieu y est à l'origine de tout. Or, dans les autres cosmogonies, c'est bien plus complexe que cela. Une part est en effet laissée à l'inconnu. C'est ce vide primordial, ce néant, ce chaos, qui parfois est personnifié comme Tartare et d'autres fois abstrait. Il est donc cet inconnu qui précède même l'existence du divin et qui lui survivra probablement. Chez Lovecraft, le vide interstellaire, les cités englouties, les antiques cités cyclopéennes, les entrailles de la Terre ou le cœur des gigantesques montagnes antarctiques font ainsi office de Tartare. Un gouffre de ténèbres inaccessible aux humains, où dorment les forces primordiales du chaos, prêtes à les dévorer. Ces lieux de ténèbres sont la cave, le grenier, le placard, le dessous du lit, tous ces repères du croque-mitaine, mais également le tombeau du vampire ou la grotte de l'ogre. Une matrice archaïque, intemporelle, berceau de l'indicible et de nos pires peurs. Dans la théogonie d'Hésiode, traitant de la cosmogonie et de la théogonie grecque, dont s'inspira fortement Lovecraft, rien n'est immuable. En effet, les dieux y sont soumis au cosmos et craignent même le chaos primordial, où sont endormis ou prisonniers ses agents, le Tartare. Ceci transparaît dans un passage de l'œuvre d'Hésiode qui sonne très Lovecraftien. C'est là que, de la terre ténébreuse comme du Tartare brumeux, du flot marin stérile comme du ciel étoilé, de toutes choses, côte à côte, sont les sources et les confins. Lieu de douleur, de moisissure, dont les dieux mêmes ont horreur. Le gouffre béant est grand. Même en toute une année menant son cours à terme, on ne saurait en atteindre le seuil. Si d'abord on était à l'intérieur des portes, non. On se trouverait emporté, ça et là, par rafale sur rafale, d'un vent de douleur. Sort terrible, même pour les dieux immortels. Ce chaos est aussi l'au-delà. Le monde des morts et la dimension de l'éthéré. Il s'oppose à l'ordre harmonieux du divin, comme Moth, le dieu de la mort, qui s'oppose à Baal dans les mythes ougaritiques. C'est un lieu stérile, dénué de toute vie. C'est l'antimatière opposée à la matière du vivant. Même le dieu biblique, omniscient et omnipotent, ne semble pas y avoir accès ni de pouvoir dessus. Il doit en effet y envoyer Jésus, son fils mort, afin d'en sauver les prisonniers. Ainsi, Jésus vainquit la mort et revint du Shéol et en ressuscita. Comme Orphée s'échappa des enfers, où le combat entre Yam et Moth. C'est de cet abîme insondé que proviennent les entités de Lovecraft. Et c'est dans ce même néant, qu'il soit tangible ou non, qu'elles sommeillent ou sont prisonnières, à l'instar des titans dans le Tartare. L'influence de la théogonie d'Hésiode paraît prépondérante dans la mythologie de Lovecraft. L'écho de ces récits antiques résonne dans l'inconscient collectif, et trouve ainsi dans les récits de Lovecraft une adaptation plus cosmique. On retrouve ainsi le mythème de la création dans les mythologies polythéistes, monothéistes et lovecraftiennes, selon lequel des entités divinisées par l'homme créèrent la vie et emprisonnèrent leurs ennemis dans les profondeurs de la terre ou dans l'abîme du néant. Que ce soit les titans dans le Tartare, les anges déchus aux enfers, les démons mayas à Xibalba ou encore les grands anciens dans les entrailles de la terre et les vides interstellaires, on observe le même archétype. De même, l'enfer de Dante reprend ce schéma, avec la description d'une cité souterraine peuplée de colossales créatures prisonnières. On assiste donc à un glissement spatial de la zone d'influence et de localisation, tout en visant un même but. Autre aspect que l'on retrouve dans les mythologies polythéistes, les dieux s'affrontent, comme ici les grands anciens, bannis, ou les autres dieux, qui semblent eux aussi prisonniers ou endormis. Et ceci se révèle dans la titanomachie et la gigantomachie grecque. Le mythe de créatures géantes primordiales est récurrent dans de nombreuses mythologies, comme nous le démontrons dans notre vidéo sur les Néphilim et le mythe des géants. Mais en allant plus loin, on peut souligner une différence notable. Les divinités mythologiques résident sur Terre et emprisonnent leurs ennemis dans le néant. Or, chez Lovecraft, c'est l'inverse. Les entités divinisées par l'homme viennent du néant, du cosmos, et sont étrangères à la Terre, mais y sont emprisonnées pour certaines. Les divinités lovecraftiennes sont extraterrestres ou extradimensionnelles, brisant ainsi une proximité facilitant l'assimilation et la compréhension, qui étaient alors permises par les autres mythologies. Les divinités lovecraftiennes viennent donc des confins de l'espace, de l'inconnu, des ténèbres cosmiques par-delà l'espace et le temps.
Elles sont étrangères à la planète qu'elles colonisent et sont d'origine elles-mêmes inconnues. On ne peut les appréhender comme on appréhende les divinités anthropomorphiques des panthéons antiques ou d'un dieu nique, dont l'attention se concentre sur notre planète et sur notre espèce. Le logiciel théologique diffère complètement. Les liens au divin se désintimisent et s'occultent. On est ainsi plus proche du mysticisme et de la métaphysique que de la religion dans son sens commun. Ces entités ne sont donc pas dans notre sphère, car si certains dieux de religions antiques viennent d'autres planètes, ils viennent de notre observation et non d'au-delà. Et c'est pourquoi certains y verront un lien avec la fantasque théorie des anciens astronautes. Mais si dans ce fantasme, des dieux venus d'ailleurs apportèrent connaissances et savoirs à l'humanité, chez Lovecraft, il n'en est rien. Ces entités n'ont nulle intention de nous élever ou de nous enseigner quoi que ce soit, juste de nous dominer et de nous utiliser. Il n'est pas étonnant donc que de nombreuses mythologies placent l'origine des dieux dans les étoiles, tant cette zone infinie et inconnue fut l'objet de tous les fantasmes et de toutes les craintes. Les Anunnaki sumériens, les Nomos des Dogons ou les divinités astrales en sont un bon exemple. Et si l'on donne des noms de divinités aux planètes, ce n'est pas anodin, car dans l'Antiquité, ces astres, à l'instar du Soleil ou de Vénus, étaient divinisés pour la plupart. Ainsi, les entités de Lovecraft, divinisées par ses protagonistes, proviennent des confins de l'univers, du néant cosmique, pareil au Tartare décrit par Hésiode. Et tout comme les titans et géants grecs, nous avons ici affaire à diverses factions et autant de races plus étranges les unes que les autres. Autres dieux, anciens dieux, choses très anciennes ou grands anciens, sont parmi d'autres créatures peuplant le bestiaire horrifique sorti de l'imaginaire torturé de l'auteur. Les autres dieux. Il s'agit d'entités primordiales originelles, résidant dans les confins de l'univers, d'où leur autre appellation de dieux extérieurs. À noter que Lovecraft n'employa pas ce terme, même s'il parle de dieux des enfers extérieurs. Et ici, cet enfer est probablement le néant, l'abîme cosmique originel dont nous venons de parler. Ces entités semblent à l'origine de tout, pouvant même jouer le rôle de démiurges. Parmi elles, on peut citer Azathoth, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Shub-Niggurath, Ténèbres ou Brume sans nom. Et la plus puissante d'entre elles, sans doute celle à l'origine de toute chose, est Azathoth. Azathoth est qualifié de fléau sans contour, qui blasphème et bouillonne au centre de l'infini, autrement appelé le démon sultan, le dieu aveugle et idiot, ou encore le chaos nucléaire. Il semble être à l'origine de notre univers, et possiblement l'instigateur du Big Bang. Lovecraft le décrit comme un chaos nucléaire terrifiant, présent à l'origine des temps, et qui représente l'ensemble de l'existence. Bercé par le son d'une flûte, il est endormi, et si jamais il venait à s'éveiller, cela signerait la fin de toute existence. Son nom rappelle celui d'Astaroth. Initialement, Astaroth apparaît dans la Bible, comme un dérivé de la déesse phénicienne Astarté, ou encore un pluriel d'Achéra, sous sa forme Asheroth. Astarté étant l'Ishtar babylonienne, la reine des cieux et des étoiles, et avant cela, Inanna chez les Sumériens. Cette divinité souveraine et astrale descendit aux enfers afin d'en occuper le trône. Elle serait donc la reine du néant originel. Puis ce nom, comme toutes les divinités qui sont présentes dans la Bible, autre que Yahvé, fut démonisé. Astaroth devint alors un puissant démon, un grand-duc. Piégé dans les enfers, il tente vainement de s'en échapper. Janvire, dans son pseudo-monarchia démonum, nous apprend que ce démon répond volontiers aux questions qu'on lui pose à propos des choses les plus secrètes, et qu'il est facile de le faire causer de la création, des fautes ou de la chute des anges dont il connaît toute l'histoire. Tout cela rappelle donc fortement la condition d'Azathoth. Une autre origine possible serait le nom biblique de Anathoth, selon Robert Price, Anathoth étant la cité natale du prophète Jérémie. Le nom Azathoth pourrait également être né de l'association d'Azazel, un autre démon, et de Thoth, le dieu égyptien de la connaissance et de la sagesse.
Ce dernier est qualifié dans différents textes comme le seigneur du temps, qui créa le monde par le verbe, selon les textes d'Edfu. Il est le détenteur de tous les savoirs car il possède la connaissance absolue. Et il est aussi le patron des magiciens. Azazel, lui, est mentionné dans le livre apocryphe d'Enoch comme étant un des anges déchus. Et il apparaît également dans la Bible comme étant une montagne, un lieu de sacrifice. On le retrouve également dans l'abomination de Dunwich de Lovecraft, aux côtés d'autres démons comme Belzébuth ou Bélial, pour décrire des manifestations d'entités extraterrestres. Ce démon du désert, un djinn dans l'islam, fait donc écho à Azathoth, qualifié de démon sultan. Quoi qu'il en soit, Lovecraft s'appuie à nouveau sur des références connues pour que les noms de ces entités trouvent un écho, et il procède ainsi par syncrétisme et étiologie. Il use de fait de sonorité, reliant son mythe fictif à ceux de l'Antiquité. Azathoth est décrit comme une masse informe qui se contracte et se dilate au rythme ténu de la flûte Trunanbra qui le maintient endormi. Autour de lui graviteraient d'autres entités titanesques. Pareil à un atome entouré de ses électrons. Peut-être d'ailleurs est-il à l'origine de l'univers dont il occupe le centre. Mais également, il serait le destructeur de planètes, pareil à un gigantesque trou noir primordial, un chaos nucléaire, comme il est d'usage de le qualifier. C'est ainsi que Lovecraft nous décrit que la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter serait la résultante de l'explosion d'une planète sous les coups d'Azathoth. D'un point de vue astronomique, il pourrait se référer à Sagittarius A, le trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Et les entités gravitant autour de lui seraient comme autant de planètes ou d'étoiles attirées par l'immense gravité de ce trou noir hypermassif. Ensuite, sa qualification de dieu stupide signifierait qu'il n'est pas doté de conscience ou d'intelligence humaine, ce qui fait écho à la gnose déiste, voulant que le démiurge, créateur de tout, ne soit pas interventionniste ni doté de conscience. Azathoth semble donc la force la plus puissante de notre univers. Mais comme Lovecraft s'appuie sur l'astrophysique et notamment les recherches de Albert Einstein, probablement accepte-t-il l'existence d'autres univers, d'autres dimensions. Ce qui expliquerait pourquoi Azathoth ne semble pas tout-puissant et qu'il ait pu être contenu, voire prisonnier, par des forces encore plus supérieures. Celles de l'abîme par-delà le voile de l'espace et du temps, dont pourraient faire partie les Elder Gods, les anciens dieux, qui lui semblent opposés. À Azathoth, qui paraît lié aux choses matérielles de notre univers, est associée une autre entité, Yog-Sothoth, le tout en un et le un en tout. Lui aussi est emprisonné dans le chaos, et il est le gardien de la porte entre le passé et l'avenir, ainsi que de la porte des espaces interstellaires. Il demeurerait ainsi dans les espaces interdimensionnels des plans d'existence de notre univers. Issu de Azathoth, il se caractériserait par une omniscience et une assimilation au temps lui-même. Ainsi, il fait écho au paganisme, voulant qu'il y ait une part divine en toute chose, ce qui correspond d'ailleurs à l'expression qui lui est associée, le tout en un et le un en tout. Yog-Sothoth est décrit comme un amas informe, aux globes oculaires iridescents et closangues se résorbant sans cesse. Il voit tout et sait tout. Omniscient, il détient la connaissance absolue. Il est la porte et la clé, comme mentionné dans l'affaire Charles Dexter Ward ou l'abomination de Dunwich, et représente donc la connaissance gnostique. Pour ces deux entités que sont Azathoth et Yog-Sothoth, un lien étrange avec la gnose peut être tissé. En effet, le nom de Yog-Sothoth ressemble à celui de Yaldabaoth, le démiurge ou faux dieu chez les gnostiques. Ce nom viendrait de l'araméen, signifiant « fils du chaos », tout comme Yog-Sothoth donc, qui est bien le fils d'Azathoth, le chaos nucléaire. Yaldabaoth est une émanation du vrai dieu, et il est à l'origine de la création, en mêlant la matière à l'essence divine. Une union désastreuse selon les gnostiques, et qui aurait ainsi donné naissance au mal. Yaldabaoth est souvent associé à Yahvé, et on retrouve un principe similaire de mélange d'essence divine et de matière en Genèse 6.4.
Yaldabaoth se serait rebellé contre le vrai dieu, tout comme Yogg-Sothoth donc, qui fut prisonnier, ainsi qu'Azathoth. Suite à cette rébellion, Yaldabaoth créa le monde matériel et le dualisme bien-mal. En effet, dans la gnose, l'imperfection du matériel est le mal, et la perfection de l'âme est le bien. On voit donc ici le lien avec Yogg-Sothoth, lui aussi lié au chaos, d'essence divine et démiurge. Azathoth, quant à lui, est étrangement qualifié de dieu aveugle et idiot. Ceci pourrait paraître dégradant pour une telle entité, mais ces mêmes adjectifs se retrouvent pour désigner la gnose. En effet, selon ces principes, le monde matériel rendit ignorant et aveugle de toute vérité, réalité et sagesse, donc aveugle et idiot. De plus, le démiurge gnostique est qualifié d'aveugle et ignorant. Nous aurions donc ici le matériel, Azathoth, et l'immatériel, Yogg-Sothoth, qui tous deux se sont rebellés face aux vrais dieux, possiblement les Elder Gods ou anciens dieux. L'association Azathoth et Yogg-Sothoth représenterait donc l'espace-temps, l'infini. On pourrait ainsi parler de physique quantique, notamment par les descriptions de forces nucléaires. De même, certains y verront les deux forces de la gravité et de l'expansion de l'univers, ainsi que d'autres concepts astrophysiques comme l'énergie noire et la matière noire. Ces deux entités semblent donc donner corps aux théories d'Einstein, notamment sur la relativité et la mécanique quantique, dont était friand Lovecraft. Azathoth est le centre de l'univers, le point d'où vient toute chose, et Yogg-Sothoth en est l'expansion. Une opposition donc qui crée un équilibre, comme antimatière et matière. De plus, leur terminaison commune en Thoth rappelle, nous l'avons vu, le dieu égyptien de la connaissance et du savoir, mais qui était également celui qui présidait au tribunal des morts. Ce qui n'est pas sans rappeler la traduction du mot mort en allemand, Thoth. Un autre indice du penchant de Howard Philip Lovecraft pour la gnose est le célèbre diptyque inscrit dans son Necronomicon. « N'est pas mort ce qui a jamais d'or, et avec d'étranges éons peut mourir même la mort. » Ici, les étranges éons ne font probablement pas mention à la mesure du temps cosmique, comme certains semblent le penser. En effet, dans la gnose, l'éon est une entité éternelle émanant du Dieu suprême, ce qui collerait plus à la structuration de la phrase. À ces deux entités primordiales est associé Nyarlathotep, le chaos rampant, qui est leur serviteur et leur messager. Ce dernier s'incarne différemment. Ainsi, dans celui qui hantait les ténèbres, il apparaît sous sa forme primitive de créature ailée. Mais dans la maison de la sorcière, il y est décrit comme un homme, l'homme noir, qui est le protecteur des sorcières qui allaient au sabbat. Son nom, aux sonorités égyptiennes, se voit confirmé par une mention dans la nouvelle éponyme. C'est alors que Nyarlathotep arriva d'Égypte. Qui il était, nul n'en savait rien. Mais de vieux sang indigène, il ressemblait à un pharaon. Fait intéressant, dans la quête onirique de Kadas l'Inconnu, Nyarlathotep apparaît sous les traits d'un pharaon qui agresse le protagoniste Randolph Carter. Ceci fait fortement penser à la légende de la malédiction de Toutankhamon, dont le tombeau de ce pharaon fut découvert par l'archéologue Howard Carter. Nyarlathotep semble être une des seules entités en liberté, pouvant ainsi se déplacer à sa guise sous ses différentes formes. Sans doute, sa condition de messager d'Azathoth et de Yogg-Sothoth, ainsi que de protecteur des autres dieux, le lui permet. Il revêt ainsi le même rôle qu'Hermès chez les Grecs, Shamash à Ougarit, le dragon chinois Huanglong, Eshu au Bénin, le malar biblique, assimilé à un ange, ou encore Thoth chez les Égyptiens. Pour faire simple, toutes les religions ont un messager divin, qu'il soit lui-même un dieu, comme dans les cas cités, ou bien un animal, voire un prophète, un prêtre, un chaman, un mage, une pitié ou un oracle. Comme dans la Bible d'ailleurs, les divinités ne peuvent faire directement face aux hommes, sous peine de les rendre fous ou bien pire. Ainsi est l'utilité du messager,
faire l'intermédiaire entre le mortel et le divin. Et c'est pourquoi il revêt un aspect d'humanoïde pour ne pas effrayer les hommes. Quant au nom Nyarlathotep, il pourrait provenir du copte, Nyarhut-Hotep, qui signifie « il n'y a pas de paix à la porte ». Cette porte pourrait-elle faire référence à la porte des dimensions que garde Yog-Sothoth ? Quoi qu'il en soit, de nombreux rois et pharaons portèrent le nom d'Hotep, qui signifie la paix, mais également ses dérivés, comme Amenhotep ou Imhotep. Ensuite, les sorcières qu'il protégeait vouaient aussi un culte à l'icône médiévale du diable, le bouc noir ou la chèvre noire, qui n'est ici qu'une entité extraterrestre, Shub-Niggurath. Shub-Niggurath, qualifié de bouc ou de chèvre noire des bois aux mille chevreaux, fait office de divinité du paganisme et de la fertilité. Sa dénomination rappelle ainsi Pan, les satyres ou bien le diable dans l'imagerie. Si sa qualification de chèvre pourrait faire penser qu'elle apparaîtrait ainsi, il semblerait néanmoins que cela ne soit qu'une représentation humaine d'une chose non définie. En effet, dans une de ses correspondances, Lovecraft la définirait plutôt comme un nuage maléfique, une même description que pour la matérialisation des autres dieux ainsi que de la brume sans nom originelle. Shub-Niggurath est la compagne de l'innommable. Tout ceci est très intéressant et nous rappelle fortement les parèdres des dieux principaux antiques qui, pour la plupart, ne devaient pas être nommés eux aussi. Shub-Niggurath pourrait ainsi faire écho à Asherah, la parèdre de Yahvé, dont le nom ne devait être prononcé. Un autre indice de cette parenté au Levant antique se retrouve dans son nom, où Niggurath rappelle les ziggourats, ces temples dédiés aux dieux mésopotamiens. En ce qui concerne l'expression « mère de mille chevreaux », elle indiquerait qu'elle est liée à la fertilité et à la nature sauvage, et rappellerait donc également la figure de la Mater Magna, représentée notamment par Cybèle, la déesse antique gardienne des savoirs. D'ailleurs, Lovecraft fait ce parallèle dans sa nouvelle « Les rats dans les murs ». Cybèle est une divinité d'origine phrygienne, qu'on pourrait situer dans l'actuelle Turquie. Elle détient les clés de la terre, donnant ainsi accès à toutes les richesses détentrices des grands mystères. De plus, selon les mythes antiques, elle devrait son nom à une pierre noire cubique tombée des étoiles. Elle est ainsi assimilable à l'Artémis grecque ou à l'Ashtaroth cananéenne, ou même à la Vierge Marie. Dans le mythe phrygien, elle rendit fou un homme qui les conduit, le forçant même à l'autocastration. Un acte barbare que s'infligeront par la suite les prêtres de son culte, accentuant ainsi le côté très lovecraftien du culte à mystère de Cybèle. En ce qui concerne Shub-Niggurath, de nombreux peuples humains, tout comme de nombreuses créatures non humaines, le vénèrent et lui rendent un culte, notamment en l'invoquant dans les sombres forêts lors de la nouvelle lune. La chèvre noire présiderait donc tout naturellement au sabbat des sorcières au cœur de ces forêts. Nulle trace du diable donc, mais une entité extraterrestre influençant les humains par-delà l'espace et le temps. Ainsi, Shub-Niggurath serait à l'origine de l'imagerie du diable invoquée lors des sabbats. Mais ses invocateurs, secondés de Nyarlathotep, ne pactisaient pas avec elle, mais avec son maître, Azathoth. Enfin, à l'instar de Nyarlathotep, d'autres divinités extérieures revêtent un aspect anthropomorphique lorsqu'elles sont en contact avec les hommes. Il s'agit d'Hypnos et de Nodens. Nodens, ou le seigneur du grand abîme, l'immémorial, semble résider sur Betelgeuse, dans la constellation d'Orion. Son nom viendrait du dieu celte éponyme Nodens, qui est associé à la guérison, à la mer et aux chiens. Pour la mer, le Nodens lovecraftien y est souvent représenté, notamment dans un grand coquillage disposé sur le dos de dauphin. Et il est d'ailleurs qualifié de dieu du grand abîme ou des abysses. La mention des chiens n'est pas non plus anodine. En effet, dans la mythologie celte, le chien fait office de passeur d'âme, un psychopompe, véhicule entre le monde matériel et celui de l'après-vie. De plus, le Nodens celte est représenté comme un pêcheur, celui qui pêche les âmes des défunts. Ainsi, il est intimement lié au royaume des morts celtes, le Cid, assimilable donc au Tartare grec. Ce même Tartare étant le néant primordial, l'abîme. Or, le Nodens de Lovecraft est bien le seigneur du grand abîme,
comme nous l'apprend l'étrange maison haute dans la brume ou la quête onirique de Cadas l'Inconnu. Son nom est très souvent évoqué lorsque l'auteur parle de ses sous-fifres, les maigres bêtes de la nuit sans visage, qui semblent être les ennemis des grands anciens. Lovecraft décrit Nodens comme étant un dieu blanchi par les âges, aux mains flétries, dans l'étrange maison haute dans la brume. Ainsi, ce personnage anthropomorphique fait probablement référence au patriarche, que l'on retrouve en Zeus, Odin ou encore en Yahvé, une divinité paternelle qui guiderait l'homme. Dans les récits de l'auteur, il fait office de Deus ex machina, guidant et protégeant les hommes face à Nyarlathotep, le chaos rampant, donc d'Azathoth et de Yoxotot. Serait-ce lui à l'origine de l'emprisonnement des autres dieux, mais également des grands anciens dont il semble être l'ennemi? Tout porte à penser que Nodens, très peu présent dans l'œuvre de Lovecraft et qui n'intervient que très rarement, joue pourtant un rôle capital. Hypnose, quant à lui, apparaît dans la nouvelle éponyme. Lui aussi est représenté comme un homme, et plus précisément avec les traits d'un dieu grec. D'ailleurs, son nom est emprunté à la mythologie grecque. Hypnos, grec, est le fils de Nyx, la nuit, et frère de Thanatos, la mort, et il réside dans les terres inconnues de l'Ouest. Ce dernier peut endormir les hommes comme les dieux, et il est le gardien de la nuit. Hésiode en parle ainsi. « Là demeurent les enfants de la nuit obscure, le sommeil et la mort, divinité terrible, que le soleil resplendissant n'éclaire jamais de ces régions, soit qu'ils montent vers le ciel, soit qu'ils en redescendent. Le sommeil parcourt la terre et le vaste dos de la mer, en se montrant toujours paisible et doux pour les humains. » On pourrait ainsi comparer Noden et Hypnos aux divinités primordiales des mythologies polythéistes. D'ailleurs, leurs noms sont parmi les rares emprunts à des divinités existantes. Le terme de dieu très ancien, qui se rapporte également à eux, est pour sa part une création d'Auguste d'Herlette, qui cherche à créer une hiérarchie et une filiation, ainsi qu'une opposition manichéenne contrebalançant les maléfiques grands anciens auxquels il s'oppose. Les grands anciens sont probablement les créatures lovecraftiennes les plus connues. Ils sont captifs sur Terre et dans les espaces interstellaires, car ayant usé de magie noire et s'étant probablement opposés à leur geôlier, les anciens dieux, selon des correspondances de Lovecraft. Mais dans ses nouvelles, il ne fait nulle mention des causes de leur emprisonnement et de leur sommeil. Un nouveau voile obscur, donc, sur la théogonie lovecraftienne. Mais de par cette opposition avec les anciens dieux et leur emprisonnement dans les abîmes, on peut aisément les comparer aux titans grecs, ayant connu un sort identique, mais aussi aux cyclopes uraniens et aux hécatonchyres, notamment de par leur aspect physique. En somme, des créatures élémentaires, difformes, immenses, assujetties aux forces du chaos et opposées à l'ordre divin. Condamnés à demeurer entre les galaxies ou dans les profondeurs océaniques et terrestres, ils sommeillent inertes ou dans un état proche de la mort, mais restent conscients et peuvent interagir, notamment avec l'homme, pour que celui-ci les aide à se libérer de leur prison interstellaire ou intraterrestre. Les grands anciens, comme les autres groupes d'entités, ne sont pas composés d'une seule race, mais d'un ensemble de créatures informes ou protéiformes. Tout d'abord, nous allons étudier la plus fameuse des créatures de Lovecraft, qui a d'ailleurs donné son nom au mythe dans sa généralité, le Grand Cthulhu. Cthulhu, 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 Hrule, peu importe comment vous le prononcerez, ce ne sera pas de la bonne manière. Car Lovecraft nous l'indique, ce nom, comme ceux de toutes ces créatures, est imprononçable par les cordes vocales humaines. J'opterai pour Cthulhu, par habitude et facilité. Cthulhu apparaît pour la première fois dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu, et il y est décrit ainsi. Un monstre à la silhouette vaguement anthropoïde, avec une tête de pieuvre dont la face n'aurait été qu'une masse de tentacules. Un corps écailleux, d'une grande élasticité, semblait-il. Des griffes prodigieuses aux pattes postérieures et antérieures. De longues et étroites ailes dans le dos. Cette chose, qui paraissait distiller une malignité redoutable et dénaturée, était d'une corpulence presque boursouflée. C'est la plus précise des descriptions que nous possédions sur l'entité.
et celle-ci n'est pas directe, mais par le biais d'une statuette à son effigie. Sa description, comme pour toutes les créatures de Lovecraft, reste donc vague, permettant ainsi au lecteur d'y apporter sa touche d'horreur et d'atrocité. Le trait qu'on retient le plus de Cthulhu est sans doute son faciès de pieuvre, hérissé de multiples tentacules. En effet, l'image du céphalopode est très puissante. Cette créature représenterait le mal et les terreurs des profondeurs océaniques. C'est le monstre marin par excellence, à l'image des calmars géants naufrageurs de navires, de l'antique kraken nordique, du Lusca des Caraïbes, ou encore du monstre de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Mais outre le céphalopode et son pouvoir d'évocation, c'est la place du monstre marin en général qui est prépondérante dans les mythes marins. Que ce soit le Léviathan ou la baleine à vallon jaunasse dans la Bible, le Kraken ou Jörmungandr, le serpent nordique, Amikiti au Japon, qui est un monstre marin hybride d'un oiseau, un homard et un serpent, Haihoshang, le poisson moine bouddhiste, qui est un monstre marin qui attaquait les embarcations des Chinois, et dont on pouvait d'ailleurs se protéger en exerçant une danse rituelle, Lovecraft s'inspire de créatures mythologiques qu'il replace dans son contexte, reprenant ainsi l'évocation des tritons et autres dryades et néréides dans l'étrange maison haute dans la brume, et fait également référence à des dieux grecs, comme Poséidon dans la même nouvelle. Il semble aussi s'inspirer des Marids, qui sont des djinns marins, les plus puissants des djinns présents dans le Coran, qu'on peut invoquer suite à un rituel pour obtenir des souhaits, après les avoir combattus. De la littérature et la mythologie, on passe aisément au cinéma, avec des films comme Abyss, Les Dents de la Mer, Pacific Rim, Underwater, Godzilla et tant d'autres. Tout ceci relève de la même conception imaginaire. Des monstres gigantesques vivent dans les profondeurs océaniques et nous veulent du mal. Et ceci se voit renforcé par le fait qu'on y trouve les plus grands spécimens du règne animal de notre planète, comme les baleines bleues ainsi que les calmars géants, pouvant aisément atteindre les 15 mètres de long. L'homme étant un animal terrestre, l'océan n'est donc pas son milieu, ce qui accentue ce ressenti de ne pas être à sa place. Il s'y voit donc déchu du sommet de la chaîne alimentaire. Cthulhu rentre donc dans un concept mythologique général de la créature primordiale titanesque. Ainsi, sa silhouette même rappelle celle de Typhon, créature élémentaire titanesque de la mythologie grecque, à la tête et aux membres constitués de multiples serpents, ici des tentacules. Également, quand on parle d'une créature ailée gigantesque, aux griffes acérées et couvertes d'écailles, fussent-elles ici de poissons, on pense automatiquement au dragon, dont Cthulhu emprunte les traits. En effet, dans la littérature et la mythologie, souvent le dragon est l'ennemi, le gardien du seuil, le geôlier, le vestige d'un passé affrontant le héros représentant lui l'avenir. Il est une créature élémentaire, chthonienne, aérienne, éthérée, magique et cosmique, comme les dieux lovecraftiens donc. Les oppositions entre un héros et un dragon sont légion, que ce soit Siegfried combattant Fafnir, Saint-Georges contre le dragon, Thor contre Jörmungandr, Marduk contre Tiamat ou bien Rê contre Apophis, et la liste est longue. De plus, Cthulhu et ses rejetons peuvent être rapprochés, dans la mythologie grecque, de la divinité marine primordiale Céto. Celle-ci est la fille de la terre Gaïa et des flots Pontos. Elle est représentée comme un immense et horrible monstre, né d'un mélange d'une baleine, d'un requin, d'une raie et d'un dragon. Très Lovecraftien encore une fois. Ensuite, elle donne naissance par union avec son frère à de nombreux monstres mythologiques, dont, selon Hésiode, Echidna, les Gorgones, Steno, Uriel et Méduse, les Grées, ainsi que l'Adon, le dragon des Hespérides. Et c'est à Céto que certains rois de la mythologie grecque sacrifient leurs enfants, comme avec Andromède ou Hésione, afin de calmer le courroux des dieux, principalement celui de Poséidon. Ce thème est développé dans notre vidéo sur le Moloch et les sacrifices d'enfants. Et tout comme pour cette divinité grecque, les adeptes de Cthulhu sacrifient en son nom et cherchent à l'éveiller et à le libérer de sa prison dans les profondeurs de l'océan Pacifique
dans la cité engloutie de Rlié, comme l'énonce la fameuse litanie. Dans sa demeure de Rlié, le défunt Cthulhu attend en rêvant. Cette cité engloutie n'est pas sans rappeler l'Atlantide de Platon. Et même la science peut nourrir ce fantasme, avec le fameux son enregistré dans le Pacifique, le bloop. Un son tellement puissant qu'il fut enregistré à plus de 5000 km de son point d'émission, et qui reste à ce jour une énigme. Il se situerait, qui plus est, près du point Nemo, le lieu immergé le plus éloigné des terres, le plus éloigné de l'humanité de fait. Certains y verront l'emplacement de la cité de Rlié, et concluront, animés d'un fol espoir, qu'il s'agirait d'une manifestation du grand Cthulhu qui s'éveillerait. Dans la nouvelle, l'appel de Cthulhu, ce dernier y est également décrit comme le prêtre des grands anciens, sans doute une projection humaine, car les entités lovecraftiennes, nous l'avons vu, ne sont des dieux que pour les hommes, et qui plus est, Cthulhu ne semble vénérer aucune autre entité. Par contre, lui est bien vénéré, notamment par des hommes dégénérés ou mutants qui l'influencent dans leurs rêves, ainsi que par d'autres créatures comme les profonds. Ces créatures amphibiennes anthropomorphiques, mi-hommes mi-poissons, pourraient faire penser au mythe scandinave des sirènes, et plus particulièrement à celui de Margiger, la géante de mer. Ce mythe d'homme-poisson que l'on retrouve également chez le peuple des Dogons du Mali, avec les Nomos, ou chez les Sumériens, avec Oannès et Atargatis, tout comme avec Ningyo chez les Japonais. Parmi ces profonds, il en existe un gigantesque qui semble les gouverner et qui répond au nom de Dagon. Dagon est dans le panthéon lovecraftien le dieu poisson, un des grands anciens et vassal ou alliés de Cthulhu. On le retrouve pour la première fois dans la nouvelle éponyme, sous la forme d'un simple monstre marin, et dans le cauchemar d'Innsmouth, comme un dieu vénéré cette fois-ci. On apprend qu'un culte lui est rendu par des humains appartenant à l'ordre ésotérique de Dagon. Ce monstre marin est également nommé Père Dagon, et posséderait une parèdre, Mère Hydra. Dans la nouvelle Dagon, Lovecraft décrit le monstre éponyme ainsi. « D'un aspect répugnant, d'une taille aussi imposante que celle de Polyphème, ce gigantesque monstre de cauchemar s'élança rapidement sur le monolithe, l'étreignit de ses grands bras couverts d'écailles, tandis qu'il inclinait sa tête hideuse en proférant une sorte d'incantation. » Ici, l'auteur traite directement de la mythologie grecque en comparant Dagon au cyclope Polyphème qui combattit Ulysse sur une île. Donc un environnement identique à celui de la rencontre du narrateur avec la créature. Mais dans ce récit, Dagon semble, à l'instar d'Hydra, une créature inférieure du bestiaire, comme nous l'avons vu. Il serait un profond gigantesque, sans doute leur père, d'où sa dénomination de Père Dagon, mais rien de plus. Il ne revêt en effet sa condition de grand ancien que dans le cauchemar d'Innsmouth. Pour son nom, Lovecraft s'inspira probablement de la divinité du Levant antique Dagon ou Dagan, qui est attesté à Ugarit au 3e millénaire avant notre ère et qui faisait partie des Elohim, les fils de El, le dieu suprême. Et peut-être était-il El lui-même. On le retrouve ensuite dans le panthéon cananéen, et plus précisément chez les Philistins, les ennemis jurés des Israélites. Ce dieu d'origine sémitique jouit donc d'une très mauvaise image théologique et en fait donc un parfait prétendant pour les mythes de Lovecraft. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 5, versets 1 à 5, il apparaît comme le dieu tutélaire des Philistins, ceux-ci descendant des peuples de la mer, ce qui accentue encore son assimilation à l'océan. Dagon sera plus tardivement représenté sous les traits d'un poisson, Dag en hébreu voulant dire poisson. Mais il est originellement une divinité de la fertilité, notamment des semences et de l'agriculture. Dans le livre de Jonas, au chapitre 2, verset 1, le texte hébreu parle de Dag Gadol, ce qui signifie le grand poisson. Mais il ne semble pas que cette entité fût vénérée, comme certains le pensent, sous les traits d'un poisson. Cette référence rentre dans le processus de mythification de Lovecraft, qui cherche à démontrer que les mythes du monde ne sont que des variantes d'un monomythe, le sien. Et c'est pourquoi on retrouve de nombreuses mentions de cultes et de civilisations antiques,
comme dans l'étrange maison haute dans la brume, où Lovecraft rapporte une légende selon laquelle les Atlantes auraient combattu des créatures sous-marines répugnantes, sans doute des profonds. La mer et les mythes marins sont donc omniprésents dans l'œuvre de Lovecraft, notamment rattachés à Cthulhu et à son serviteur Dagon. Lovecraft place en effet ces entités dans les deux lieux les plus inconnus de l'humanité, le fond des océans et les confins de l'espace. Le froid, les ténèbres, la pression mortelle ou l'immensité sont autant de thèmes conjoints aux deux environnements hostiles. Et l'océan reste un mystère, même aujourd'hui. Ce monde du silence, cher à Cousteau, cet abysse qui nous est méconnu, est pareil à l'infini du cosmos. L'on dit même que l'on connaît mieux la surface de la Lune et de Mars que nos propres océans. Sombre, froid, hostile, peuplé de créatures que nous n'imaginons même pas ou auxquelles nous donnons vie. De même, le mythe universel du cataclysme, le déluge, détruisant une civilisation de surhommes, se retrouve chez Lovecraft. Ce mythe, qui nous est parvenu dans sa version la plus ancienne, date de l'époque sumérienne, dans l'épopée de Gilgamesh, au travers du mythe d'Utnapishtim ou de l'Atraasis. Un mythe repris a posteriori dans la Bible et la mythologie nordique, ainsi qu'avec le Matsya indien. Outre le cataclysme en lui-même, et surtout traiter l'existence de civilisations antédiluviennes, comme l'Atlantide, avec laquelle se confond la cité de Cthulhu, Relié. Cette cité préhistorique cyclopéenne sert en effet de sarcophage au grand Cthulhu. De pareilles cités seraient disséminées à travers le monde, à l'image de celles en Antarctique, figurant dans le récit des montagnes hallucinées, et qui sont le berceau des choses très anciennes. Les choses très anciennes sont des hybrides d'animal et de végétal, au corps massif en forme de tonneau, mesurant dans les 3 mètres de haut, et doté de tentacules, de 5 grandes ailes membraneuses, ainsi que d'une tête en forme d'étoile à 5 branches, pourvue de 5 yeux. Dans la nouvelle Les Montagnes Hallucinées, l'auteur nous dit que ces entités furent les premières à débarquer sur Terre il y a de cela 1 milliard d'années, et qu'elle serait également à l'origine des premières formes de vie sur notre planète. Dans un premier temps, pour les nourrir ou les servir, comme les Chogoths, et dans un second temps, par erreur, comme l'humanité. Cette mention de créatures nées pour servir ce qui pourrait s'apparenter à des dieux se retrouve dans diverses mythologies, comme chez les Mésopotamiens, où la création de l'humanité par les Anunnaki répond au besoin de remplacer les Igigi qui les servaient jusque-là. De même que dans la Bible, où Yahvé, le Dieu unique, créa l'homme afin qu'il s'occupe du jardin d'Éden. La nouvelle, La Maison de la Sorcière, nous apprend que cette espèce, les choses très anciennes, est probablement originaire d'un système à 3 étoiles, compris entre l'antique constellation Argonavis et celle d'Hydra. Après leur installation en Antarctique, les Elder Things colonisèrent progressivement les fonds marins, ainsi que les zones désertiques, bâtissant alors des cités dans les fosses océaniques de l'Atlantique. Ces êtres réussirent à adapter leur organisme aux voyages interstellaires et aux pressions des grands fonds, grâce à des procédés chimiques, sans doute issus de leurs grandes connaissances en bio-ingénierie et en génétique. En effet, chez Lovecraft, la science-fiction se limite aux connaissances plus qu'aux objets eux-mêmes. Nul vaisseau spatial donc, et très peu de mentions d'armes futuristes, ou évoquées brièvement. Ces êtres sont donc dotés d'un haut degré de développement intellectuel, leur permettant des prouesses qui à nos yeux relèvent du divin. Les Chogoths, leur création, se rebellèrent contre eux, ce qui semble entériner le début de leur déclin. Le tout fut couplé à leur opposition aux rejetons de Cthulhu, aux Migos et à la grande race de Yeet. La grande race de Yeet est une ancienne race d'extraterrestres capables de projeter leur conscience dans n'importe quel corps, à n'importe quel moment du temps, passé ou futur.
Si la grande race de Yit, par sa passivité, semble une race bénéfique et protectrice de l'humanité, il n'en est rien. Elle a juste besoin de corps pour s'incarner et voyager dans le temps et l'espace. En effet, qui veut voyager loin ménage sa monture. Les humains, comme les autres espèces, leur sont donc utiles. La grande race de Yit agit donc comme des scientifiques, étudiants, sans morale ni jugement de valeur. Les polypes volants, leurs ennemis, semblent connaître le même sort que les grands anciens, ce qui peut d'ailleurs aboutir à leur amalgame. Ceux de la grande race de Yit sont donc dotés d'une technologie si avancée qu'elle leur permet de voyager librement dans l'espace-temps. Ils réussissent ainsi à projeter leur esprit par-delà l'espace et le temps, dans des corps de créatures, échangeant, le temps de l'expérience, leurs esprits. Un peu à la façon de la série Code Quantum, pour ceux qui connaissent. Ainsi, dans leur nouveau corps hôte, ils acquièrent de nouvelles connaissances qu'ils consignent scrupuleusement. Une fois fait, ils se retirent et replacent l'esprit originel. Ce dernier ne garde ainsi que des bribes de souvenirs de l'événement. Et on peut y voir une mention du mythe des abductions extraterrestres. Mais face à la destruction de son monde, cette race de scientifiques explorateurs fuit sa planète natale de Yit, et posséda ensuite des créatures sur Terre pour s'y installer. Ces créatures étaient hautes d'environ 3 mètres, au corps conique, doté de 4 membres extensibles, au bout desquels se trouvaient la tête, des organes, ainsi que des pinces servant notamment à leur communication. Mais encore une fois, ce n'est qu'une enveloppe d'emprunt, réceptacle de leur conscience. Ensuite, il y a 600 millions d'années, une terrible race d'extraterrestres, colossales, les polypes volants, dotés d'un esprit comme nul autre et aveugles, investirent 4 planètes du système solaire, dont la Terre. Leur perception de l'environnement et leur conscience étaient radicalement différentes des nôtres. Et même ceux de la grande race de Yit, coutumiers de la possession, ne pouvaient l'exercer sur ces entités à demi-matérielles. Elles étaient en effet dotées d'une étonnante élasticité, lévitaient sans ailes et pouvaient se rendre invisibles ou encore contrôler le vent en émettant un sifflement terrifiant. Puis, ces entités colonisèrent la Terre, exterminant ainsi les êtres vivants y habitant. Ils y bâtirent d'immenses cités noires aux tours aveugles. La grande race de Yit, témoin, décida d'intervenir. Et grâce à sa haute technologie, elle parvint à vaincre les entités colonisatrices et à les repousser dans les entrailles de la Terre pour les y emprisonner. Puis la grande race investit ses anciennes cités et s'y installa, gardant ainsi les polypes prisonniers. Au fil des âges, la monstrueuse race captive fomenta sa vengeance, qui aura bien lieu. Car la grande race de Yit connaît l'avenir, et elle est consciente de cet affrontement eschatologique. Conception que l'on retrouve dans la nouvelle Dans l'abîme du temps. Ceux de la grande race de Yit, comme nous l'avons vu, s'opposèrent également aux Elder Things, les choses très anciennes, dans l'Antarctique. Mais voilà, comme souvent, dans l'œuvre de Lovecraft, on fait face à un souci. S'agit-il de fées et de races différents, ou bien d'interprétation de fées et de races uniques? Les choses très anciennes et la grande race de Yit ne serait-elle pas la même entité? Et ces polypes prisonniers des entrailles de la Terre, qui se libéreront et mettront fin à l'humanité, ne sont pas sans rappeler les grands anciens, eux aussi exilés et dont le réveil est programmé. Quoi qu'il en soit, ceux de la grande race seront vaincus par leurs prisonniers et devront alors s'incarner dans des insectes pour leur survie. A noter que ce choix, outre physique, rejoint leur organisation et leur comportement collectif. À l'instar des insectes, donc. Et enfin, pour terminer ce panorama des entités lovecraftiennes, intéressons-nous aux faibles dieux de la Terre, qui apparaissent dans la nouvelle Les Autres Dieux. Les dieux de la Terre occupaient en des temps anciens les sommets montagneux, avant que l'homme ne les colonise. Alors les dieux de la Terre, qualifiés de faibles, se retirèrent sur les plus hauts des sommets, dont le mont Atekla. Puis ils partirent à Kadas, la cité perdue dans l'espace et le temps, hors de la Terre, dans un désert de glace. Ils revêtent alors l'appellation de dieu des contrées du rêve, car il semblerait que la cité ne soit accessible aux hommes que par le biais de leurs songes.
mais nostalgiques de leur passé, ces entités reviennent la nuit danser en haut du mont Atekla, protégées par les autres dieux et Nyarlathotep. Les faibles dieux de la Terre ne semblent donc de prime abord pas hostiles envers l'humanité, préférant même fuir les hommes plutôt que de se confronter à eux, et devant même faire appel à d'autres entités pour les protéger. Au sommet du pic le plus élevé de la Terre, demeurent les dieux qui ne souffrent pas qu'aucun mortel les regarde. Ils vivent à présent au pays inconnu de Kadas, dans un désert glacé qu'aucun homme ne traverse. Parfois, quand les dieux ont la nostalgie de la Terre, ils viennent rendre visite dans la nuit calme au pic qu'ils habitaient autrefois. Et ils pleurent doucement en essayant de jouer, comme jadis, sur les pentes. Il s'agit probablement ici d'un texte étiologique, expliquant la pluie et l'orage sur les montagnes. Parmi les faibles dieux de la Terre, nous pouvons citer Oukranos, Zokalar et Tamash, que l'on retrouve dans la nouvelle La Malédiction de Sarnath. Ces noms rappellent fortement les divinités grecques Ouranos et celles mésopotamiennes Kotar et Shamash. Ces dieux sont, de par leur appellation de dieux de la Terre, ainsi que de par leur occupation des montagnes terrestres, facilement assimilables aux dieux olympiens, eux aussi habitant le sommet d'une montagne, et sont également assimilables aux Yahvé primitifs, dieux guerriers de la montagne, de l'orage et de la pluie. En fait, toutes ces terminologies et ces noms de races ne sont pas le nom que ces entités se donnent elles-mêmes, mais que les différents peuples et mythologies leur octroient. D'où les incohérences et la superposition des termes d'un récit à l'autre. In fine, on pourrait parler de plusieurs groupes d'entités. Outre ces races principales que nous venons d'évoquer, nous pourrions citer les Migo, les Dol, les Yadityan, les Biaki, l'Abomination de Dunwich, les Couleurs hors de l'espace, ou encore Yig, le Serpent à plumes, et bien d'autres. Si Lovecraft cherche à attiser un pouvoir d'évocation de références mythologiques, il cherche également à ce que nous perdions les repères qu'elle nous propose. En effet, tout ce qui concerne ces entités doit nous rester inconnu. Elles sont, à l'instar de l'ésotérisme, un mystère, un secret, que seuls les initiés peuvent appréhender, que ce soit au travers d'études poussées, de la lecture d'ouvrages interdits, de la gnose, de mutations, de rêves ou encore de l'apothéose. Les monstres ainsi ne représentent aucun animal distinct, mais un amalgame informe et impie de la soi-disant perfection de la création. Si certains semblent chimériques comme Cthulhu, cela ne résulte que de la description que les hommes en font. Ils usent ainsi de références connues pour décrire ces choses qui leur sont alors étrangères. Comme une sorte de pareidolie, ce procédé neuronal visant à trouver dans des formes chaotiques des formes qui nous sont connues. Dans l'inconscient collectif, le monstrueux symbolise le blasphème de l'ordre divin. Selon certains chercheurs, l'humain trouverait en effet la beauté dans la symétrie, comme pour un visage humain. La difformité n'est alors comprise qu'en comparaison de nos canons de beauté. Que ce soit la mutation ou l'hybridation, elle corrompt le parfait de la création, notamment dans la pensée chrétienne. Dieu nous ayant fait à son image, toute altération de cette perfection découlerait donc du mal. Dans toutes les mythologies, contes, légendes et fables, le mal est représenté par une créature monstrueuse, un troll, un ogre, un dragon. Il symbolise l'inhumanité, la bestialité et le païen. Car le bestial s'oppose au sociétal, il est l'expression même des instincts individualistes que la société réfrène ou cloisonne. Il est la moralité, sans religion ni soumission d'ordre non naturel. Il est donc la nature primitive, avant l'influence de l'humanité. Le mal est ce qui ne peut être contrôlé, ou qui n'est pas de notre fait, ou des dieux que nous créons. Lovecraft cherche ainsi à dépasser la conception même du divin, en bousculant la représentation anthropomorphique des dieux. Car oui, nos dieux sont beaux. Mais ici, nul lien spirituel ou physique avec notre espèce. Ils ne sont pas à notre image, mais au contraire, ils vont à l'encontre de l'image que nous nous faisons du divin. Mais ceci n'est vrai qu'après l'ère chrétienne. Car les divinités des panthéons polythéistes antiques souvent étaient des hybrides d'hommes et d'animaux, voire même des créatures fabuleuses. C'est l'anthropocentrisme des religions monothéistes qui modifia ce rapport au divin. Car nous sommes à l'image de Dieu, étant sa création favorite et ultime,
donc il ne peut que nous ressembler. Lovecraft lui bouleverse ce système. L'homme n'est qu'un parmi d'autres monstres, car oui, pour ces entités, nous sommes des monstres. Et tous les exobiologistes sont d'accord. Si d'autres créatures vivantes existent dans l'univers, la probabilité qu'elles nous ressemblent est quasi nulle. Ainsi, dans la notion lovecraftienne, l'homme n'est qu'un maillon dans la chaîne de l'évolution. De plus, le gigantisme de ces entités est lui aussi fort en symbolisme. Il représente les créatures de mondes précédant l'homme, que ce soit les dinosaures ou les géants et titans mythologiques. Ils sont les vestiges de ces âges sauvages quand l'homme ne dominait pas la nature ou n'en faisait même pas partie. Ils sont le symbole de l'ancien monde, de la genèse de la vie, avec ses cellules protéiformes. Ils sont l'essence même de la matière première et de l'optimisation face à l'environnement. Ils sont à la fois l'origine de la vie, de par leur forme protozoïque, mais aussi sa finalité, de par leur capacité et leur intégration cosmique. Ainsi, autres dieux, anciens dieux, grands anciens et tout le cortège du bestiaire les accompagnant seraient, selon Lovecraft, la seule vérité de notre monde, ou plutôt de leur monde. Si la cosmogonie et la théogonie de Lovecraft restent floues et lacunaires, nous pouvons néanmoins en conclure un désir de l'auteur de justifier l'ensemble des croyances de l'humanité comme étant l'interprétation de la manifestation d'entités extraterrestres établies sur Terre bien avant notre existence. Nous sommes sur leur domaine, et seul leur sommeil et leur emprisonnement nous protègent de leur furie. Nous voilà donc descendus de notre piédestal, chutant du sommet de la chaîne alimentaire et intellectuelle, relégués au simple rang de bétail. Ainsi, cosmicisme, matérialisme et insignifiance de l'humanité sont autant de thèmes abordés par la mythologie de Lovecraft que nous allons étudier plus en détail dans la prochaine vidéo. Refermons donc cette fenêtre donnant vers l'inconnu, car nul besoin de regarder au-delà de cette pièce sombre, regorgeant d'ombres malfaisantes qui nous épient. Rejoignons le monde onirique, passerelle vers des univers encore plus merveilleux et terrifiants, dominés par des entités dont la seule mention pourrait nous rendre fous. Car n'est pas mort ce qui a jamais d'or, mais avec d'étranges éons, peut mourir même la mort.